Bonjour et bienvenue à notre chaîne. On vous invite à s'inscrire pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. À la tête de l'Agence de garantie des salaires, qui permet aux employés des sociétés en redressement de continuer à être payés, Uriah Wimmer a dénoncé des dérives de l'ancienne direction et de mandataires judiciaires. Elle est menacée de licenciement. Elle ne s'imaginait certes pas un destin de lanceuse d'alerte. Uriah Wimmer, 53 ans, a toujours préféré la discrétion, à l'image de son parcours, dans l'ombre du patronat. Elle ne pensait pas, non plus, avoir un jour besoin d'une sécurité rapprochée, ni devoir s'épancher devant des enquêteurs pour révéler les secrets d'un système où les milliards d'euros coulent à flot, dans une certaine opacité. Uriah Wimmer n'envisageait pas, enfin, se trouver en position d'être licencié pour faute lourde, 4 ans après son arrivée à la tête de la délégation Unédic AGS.